tu viens d'où? De la région parisienne. De la région parisienne. Et comment tu as eu connaissance de ce festival? C'était en 2012, à cette époque-là, je recherchais beaucoup de scènes. Et j'étais tombée sur le site du festival, j'ai beaucoup aimé le concept. D'accord. Puis 3 ans après, me revoilà. Entre temps, tu as fait beaucoup de scènes? Oui, entre temps, j'ai fait pas mal de scènes. Tu as enregistré des albums? Oui. Tu vis de ça? Premier album. Ben, je suis étudiante, je suis encore chez mes parents, donc on peut pas dire que je vis de ça, mais ça fait de l'argent de poche, on va dire. D'accord, d'accord. Et est-ce que tu as une ou un guitariste de référence? Bien sûr, j'en citerai deux. Alors, un guitariste coréen de mon âge qui s'appelle Song Ha-jung. Puis un guitariste italien qui est une de mes plus grandes inspirations, Andrea Castelfranato. D'accord. Et tu as appris la guitare dans un conservatoire, à la maison, sur internet? En autodidacte sur internet en regardant ces artistes-là. D'accord. Puis j'ai fait 2 ans de conservatoire, j'ai arrêté. D'accord. Et puis maintenant, pour ma propre culture, j'apprends seule avec des bouquins à la maison. Et est-ce que tu chantes aussi avec? Pas pour l'instant, mais je prends des cours de coaching vocal à partir de septembre pour essayer de tester un nouveau truc sur scène. Tu as écrit des textes? Non, pour l'instant, j'ai pas trop d'inspiration pour les textes, on va dire. Des reprises? Enfin, tu t'exerces sur des reprises? Sur des reprises, sur des reprises. Enfin, pour l'instant, sur des compos, non. D'accord. Et en tout cas, merci. Merci. J'espère à vous. Que tu as bien vécu la scène, sinon on l'a très bien vécu dans le public. C'était très agréable. Et, ta timidité est très communicative. Voilà. J'essaie de m'améliorer, mais ça se voit toujours autant. Ça fonctionne. Comme ça fonctionne bien. Merci bravo beaucoup. En tout cas. Et on espère te revoir demain. J'espère et aussi. Et l'année prochaine aussi. Voilà. Bon courage en tout cas. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Thank you.